la laïcité est un processus à la fois d'évolution et de rupture. Alors, l'évolution, le monde de l'Antiquité, bien sûr, qui est le champ de référence idéal hein, de la laïcité, bon, la démocratie à la grecque, par exemple, de l'Antiquité classique. D'un autre côté, on ne doit pas oublier l'évolution au travers du christianisme, la séparation du spirituel et du temporel, qui est déjà une revendication de la papauté dès le début du Moyen Âge, et en même temps l'idée de un vote, une personne que l'on rencontre dans les ordres monachiques. Donc il y a un héritage qui est à la fois un héritage de l'Antiquité et un héritage du Moyen Âge. Et puis nous avons enfin l'arrivée du XVIe siècle, le protestantisme qui émerge, l'idée du libre examen, et donc là aussi on peut considérer que c'est une strate constitutive de la laïcité. Maintenant, la laïcité au sens où nous l'entendons est essentiellement héritière des Lumières, donc le XVIIIe siècle avec des grands personnages, Voltaire, Diderot, D'Alembert, enfin, etc. Et en tant que une certaine apologie de la raison et une certaine philosophie du progrès, mais aussi un héritage du XVIIIe siècle en tant que la revendication d'une sécularisation de la société, où peu à peu nous voyons apparaître des personnes qui se revendiquent comme athées, par exemple le baron d'Holbach, ou bien des agnostiques qui peu à peu vont adopter une posture philosophique autre au XIXe siècle. Un premier point qu'il faudrait noter, c'est que à l'époque des Pays-Bas autrichiens, puisque nos régions furent autrichiennes, il y a eu la présence d'une franc-maçonnerie dans nos régions, qui était active, qui était plutôt croyante, plutôt catholique, mais qui avait une sensibilité progressiste. Au XIXe siècle, quand la jeune Belgique est portée sur les fonts baptismaux par les puissances, comme on le disait à l'époque, à savoir notamment l'Angleterre, hein, qui donne son assentiment pour que le petit royaume de Belgique soit créé, ben, le premier roi des Belges, Léopold Ier, on ne le répète pas souvent, mais était protestant, était franc-maçon. Et donc la Belgique, de ce point de vue-là, naît sur des bases qui sont tout à fait particulières. C'est une monarchie constitutionnelle, et le premier monarque des Belges n'était pas nécessairement représentatif de tous les Belges. Alors ce monarque a une grande sagesse, ça a été de rester en dehors précisément de son champ convictionnel propre pour faire de la Belgique un État digne de ce nom. Mais l'idée de séparer donc le religieux du pouvoir était certainement déjà présente à la fondation de la Belgique. Peu à peu, la situation politique évoluant au fil du XIXe siècle, une laïcité que je qualifierais de militante est née. Alors pourquoi? Mais c'est toujours compliqué et on n'a pas le temps d'entrer dans les détails. Mais il y a quand même des choses qui sont importantes. Bon, le XIXe siècle connaît une sorte de retour en arrière du point de vue des valeurs religieuses catholiques. C'est la résultante du séisme qu'a été la Révolution française et l'épopée napoléonienne. Et donc, dans nos régions, une volonté de retour aux vieilles valeurs de l'Ancien Régime s'est faite jour. C'est tout ce qu'on appelait à l'époque le cléricalisme. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire les ecclésiastiques se mêlant de la vie politique du pays. Bon. Donc il y a déjà eu là une partie de la population qui s'est opposée à cela. Bon, un exemple fameux, hein, et en ces murs, je dois l'évoquer, bah, Théodore Verhagen, 1834, fondation de ce qui deviendra l'Université de Bruxelles. Bah, l'idée, c'est quoi? Bah, l'idée, ce sont des catholiques progressistes qui sont opposés au cléricalisme de l'époque. Théodore Verhagen est catholique. Son fils est professeur à l'Université catholique de Louvain. Théodore Verhagen n'a pas nié, à ma connaissance, son appartenance à la religion catholique toute sa vie. Et par la suite, Hervé Asquin, par exemple, qui a été recteur dans cette même université, bah, a montré qu'on sait aujourd'hui que de nombreux recteurs de l'ULB au XIXe siècle allaient à la messe le dimanche matin à Saint-Michel-et-Gudule. Ce n'est pas l'image de l'Université de Bruxelles que nous avons aujourd'hui. Les enseignants de la faculté de lettres, notamment de mon université, étaient spiritualistes. Ceci a été très bien montré par les travaux d'un de nos chercheurs, Pierre Dalette. Donc tout cela doit être remis dans le contexte de l'époque. Ce sont des progressistes qui sont opposés à une certaine conception cléricale du religieux. Le deuxième point qui mériterait d'être souligné, c'est l'évolution de l'Italie elle-même, toute l'épopée de Garibaldi. N'oublions pas qu'au XIXe siècle, la papauté privée de ses États, de ses États pontificaux, défend une idéologie d'assiégé et considère que le pape est prisonnier au Vatican.
Bon, on dira aujourd'hui avec un peu d'humour, il y a pire sort que d'être prisonnier au Vatican, mais en tout cas, c'était l'idée des papes de l'époque. Et au fil du XIXe siècle, on va voir véritablement se faire jour une opposition par rapport aux tendances progressistes de l'Église. Alors ceci constitue un ensemble et aura des répercussions sur la naissance de cette laïcité à la Belge. À la fin du XIXe siècle, ou plutôt le dernier tiers du XIXe siècle, nous voyons apparaître des courants profonds au sein de la société belge qui défendent le rationalisme, qui défendent le droit au libre examen et à la liberté de conscience, des choses qui semblent acquises aujourd'hui, mais qui pour l'époque étaient essentielles, qui défendent le droit d'être enterré dans les cimetières, même si on n'est pas baptisé, et des querelles homériques, et j'aime à dire, c'est donc un milieu sans l'humour, c'est sordide. Nous avons des rapports de police qui montrent des rixes entre des factions chrétiennes et laïques qui sont insupportables pour un lecteur d'aujourd'hui, voire même ridicules, mais qui à cette époque-là ont fait beaucoup de mal et de dégâts dans les deux camps. Une intolérance qui va monter de part et d'autre et qui va être le lot finalement du regard que nos grands-parents ont porté sur la fameuse pilarisation à la Belge, c'est-à-dire d'un côté ce monde catholique et de l'autre ce monde laïque. Peu à peu, la laïcité est devenue ce lieu où se réunissait cet ensemble d'associations, qu'on pourrait dire de non-alignées religieusement, qui revendiquaient la parole au sein d'un espace social qui était encore très largement dominé sur le plan religieux par un seul pilier, le pilier catholique. Après la guerre de 14-18, nous avons une évolution naturelle, je dirais. La solidarité dans les tranchées a entraîné un élan de solidarité entre les anciens combattants. Et là, la valeur de la pilarisation s'est peu à peu estompée. Et après la Seconde Guerre mondiale, où d'autres enjeux se sont fait jour progressivement, on a observé que peu à peu, je dirais, la situation est redevenue nettement moins tendue et le dialogue entre les différentes composantes du pays s'est réinstallé. Mais je n'aime pas trop le mot croyance parce que d'ordinaire, on utilise ce terme pour légitimer une sorte de choix hein, du genre « les fantômes, j'y crois ou j'y crois pas ». Or, je crois que le champ du religieux ou le champ de la philosophie fait plutôt partie de l'ordre du convictionnel. Alors pour moi, les convictions centrales de la laïcité, on les retrouve dans les thèmes de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, bien sûr, en dehors du slogan révolutionnaire qui apparaissent vraiment comme des valeurs positives. C'est placer l'homme au centre du débat sur le plan de la vie publique. Et j'aime à dire l'homme avec un petit H, pas avec un grand H. Pas un homme sublimé, mais un homme concret, donc nous tous. Et c'est d'essayer de développer une façon de vivre soi-même et ensemble qui soit conforme à la destinée et aux besoins de cet homme à l'échelle humaine. Alors, le libre examen naît donc au XVIe siècle d'une certaine conception du protestantisme, qui était la capacité d'examiner les textes soi-même, de s'éclairer au contact de ces textes et de disposer d'une liberté de conscience par rapport à la spéculation religieuse, peu à peu s'est installée comme étant une sorte de cœur méthodologique, que ce soit au niveau de la philosophie ou des sciences. Donc c'est l'esprit critique, c'est la capacité d'aborder les phénomènes quels qu'ils soient au moyen de sa raison, au moyen d'une grille de lecture analytique et critique, permettant d'en tirer un éclairage personnel. De sorte qu'aujourd'hui, le libre examen est développé, je dirais, comme étant un concept central dans le domaine des pensées et dépasse largement l'horizon de la laïcité. Un chercheur de l'UCL en biologie est libre exaministe de ce point de vue-là. Un théologien qui fait œuvre de lecture critique sur la Bible est libre exaministe de ce point de vue-là. Donc, je dirais, peu à peu, ce sont les aspects de méthode qui ont été mis en évidence, attendu que dans les espaces démocratiques, la liberté de conscience est un droit acquis. Par contre, dans d'autres espaces, dans d'autres pays de par le monde où
la démocratie n'est pas installée, le libre examen reste un idéal et n'est pas encore une réalité. Vous n'avez pas de société humaine qui ne soit des sociétés où on ne balise les grands moments de la vie. La naissance, le passage de l'enfance à l'adolescence ou dans certaines sociétés à l'âge adulte, le mariage, la venue des enfants au monde, la mort, enfin, ces grandes balises de la vie humaine souvent nécessitent que les humains se réunissent et opèrent autour de ce moment important un rite d'union. Alors traditionnellement, ce sont les religions qui remplissent cette fonction. Dans des pays qui sont multiculturels ou multiconvictionnels, comme la Belgique aujourd'hui, on a vu en effet apparaître des rites, comme la fête de la jeunesse laïque, qui permettent à des personnes qui ne font pas partie d'une religion mais de vivre un rite qui sanctionne un passage. Mais aujourd'hui, de plus en plus, nous avons aussi des demandes pour les enterrements ou les crémations laïques, ou bien les mariages laïques. Souvent, le rite n'est qu'un canevas et les personnes concernées articulent leurs valeurs autour de ce canevas. C'est donc un moment de rassemblement, mais c'est un moment qui est immanent. Ce n'est pas un sacrement, ce n'est pas un office religieux. C'est un moment qui permet un rassemblement, qui permet d'être ensemble et de sanctionner, de reconnaître un passage d'un état vers un autre. En Belgique, la laïcité a une structure qui est extrêmement simple. Bon, il y a une laïcité francophone à laquelle je me tiendrai ici, mais elle-même a des liens avec la laïcité néerlandophone. Au fond, c'est une ASBL qui s'intitule elle-même le mouvement laïque et qui fédère un ensemble d'associations locales qui elles-mêmes parfois sont fédérées à des régionales et qui font partie de ce qu'on appelle le tissu associatif laïque dans le pays et qui est géré entièrement de part en part de façon démocratique. Donc chaque association a des représentants qui sont fédérés au sein d'un conseil, qui élisent un président, enfin, etc. Alors, quelles sont ces associations? Ben, vous avez là-dedans des associations aussi différentes que la pensée et les hommes, hein, qui s'occupe essentiellement des aspects télévisuels et radiophoniques. Vous avez toujours au hasard l'Union rationaliste, qui est plus engagée dans le débat critique. Vous avez les maisons de la laïcité, qui sont très visibles pour le grand public, qui mettent des locaux à disposition pour une série d'activités locales, qui souvent d'ailleurs débordent largement ce qu'on fait au sein de la simple laïcité. Vous avez, ne fût-ce que l'extension du LB, qui rayonne au travers des maisons de la laïcité et du tissu laïque dans le monde francophone. Bref, vous avez une série d'associations qui sont fédérées avec des buts différents, mais qui se revendiquent plutôt du mouvement laïque, c'est-à-dire qui se lise au fond dans le sillage des valeurs, notamment les valeurs d'humanisme que j'ai énoncées.